Et la différence avec un yoga teacher, avec un yogi. Un yogi, c'est un maître spirituel qui canalise l'énergie de la force cosmos et localise l'énergie. Un yogi, c'est un maître de la nature qui est dérivé de la nature. Un maître, c'est un yogi, c'est lui, il y a du monde qui est spirituel. Quand nous causons la spiritualité, il y a beaucoup de différences qui du monde fait, beaucoup de confusion. C'est un yogi, c'est un maître spirituel, c'est en dehors le rituel, les histoires qui sont du monde écrit. Un yogi, c'est plus dans l'univers, dans le cosmos. C'est-à-dire qu'il étudie tout et ça même qui amène vers l'environnement. C'est un yogi, c'est dans l'environnement. Et en même temps, c'est les protéger l'environnement, les connaître l'environnement. Et en même temps, tout ce qui est dans la nature, c'est l'auto-responsabilité parce qu'il peut faire. Il contrôle tout bonne plante, il contrôle tout bonne espèce des animaux. Et il contrôle tout ce qui anime dans la nature. C'est ça un yogi. Posture yoga, c'est divine, beaucoup d'après. Un yogi, c'est les pensées positives. Il y en a la voix tout puissant, il est capable de manier tout le son cosmique, comme le haut. Et le yogi, lui, il est capable de healer un démon, faire un démon, même quelque chose qui n'est pas guéri. Il y a beaucoup de choses qui sont incroyables pour la science moderne, mais pour un yogi, il n'est pas impossible. C'est quand nous faisons ce posture physique, c'est devenir un yoga teacher. Et si nous n'avons pas une guérison du monde, ça vient de n'importe. C'est pour ça que je dis, oh, nous sommes tous à n'importe là, ensemble, pour que nous soyons capables d'appeler un yogi. Et en même temps, un yogi, il a une maîtrise de soi-même et il est doux pour faire maîtrise.